Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur la diversification, rotation des cultures des semences et légumineuses. Welcome to the legumes webinar about diversification, crop rotation and food supply. Nous allons commencer avec quelques détails sur la traduction simultanée. We are going to get started with some information about the simultaneous translation. Bonjour tout le monde. Alors, la première chose, c'est de sélectionner l'icône en bas de votre écran. Il y a un bouton interprétation et là, vous allez pouvoir choisir français ou anglais. Et on vous recommande aussi de mettre en sourdine l'audio original. So you'll see the interpretation button at the bottom of your screen. It's a globe and you'll be able to choose French or English language. And we also recommend to mute the original audio. For those who will be joining by phone, you won't be able to have, if you're dialing by phone, you won't be able to have access to the translation. So the first part will be in English and the second part will be in French. Si vous vous joignez via le téléphone, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à la traduction simultanée. La première partie sera en anglais, puis la deuxième partie sera en français. While we are meeting virtually today, I'd like to take a moment to acknowledge the importance of the lands which we each call home, the land that we live on, work with, nous and sommes ici, nous reconnaissons les territoires ancestraux et l'enseignée de tous peuples autochtones qui sont ici, tous les peuples autochtones qui sont ici chez eux. Donc, aujourd'hui, je suis situé sur le territoire du traité 6 qui couvre l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Je vis dans une village tout près d'Edmonton où je suis voisine de plusieurs peuples autochtones. Je vous encourage à apprendre sur l'histoire du territoire sur lequel vous êtes situé. Il y a deux sites web que vous pouvez visiter, dont Whose Land, que vous allez trouver dans le chat, et l'autre s'appelle Native Land. Donc, je vous incite à cliquer sur ces liens et dans le chat et d'aller voir les territoires autochtones. Vous pouvez aussi vous présenter dans le chat avec votre nom et l'endroit où vous êtes situé. L'une des forces de cette communauté des semenciers est celle de cultiver un espace plus sûr. Donc, nous voulons donc justement créer cet espace sécuritaire, plus sûr et plus engageant. Nous espérons que les conférenciers se sentiront appréciés et respectés et qu'ils savent qu'ils peuvent choisir de ne pas répondre à une question. Si vous parlez beaucoup, alors essayez d'écouter plus et vice-versa. Nous espérons aussi que les participants se sentiront à l'aise de poser des questions et d'apprendre ensemble. Parlez au jeu, définissez-le nous. Notre équipe va agir pour soutenir ces principes. Vous pouvez participer de différentes façons et on veut qu'il y ait beaucoup de discussions, de contenu juteux. Et donc, présentez-vous dans le chat, ça c'est la première chose. Indiquez votre nom, l'endroit où vous avez votre ferme ou le nom de la ferme ou du groupe avec lequel vous êtes associé. Is correct. And vous devez aussi assurer que votre nom ou ajouter le nom de votre ferme ou de votre organisation à votre nom Zoom. Vous n'avez qu'à chercher la petite fenêtre où votre image apparaît et il y a trois points. Vous pouvez donc cliquer sur ces trois points, choisir renommer et ensuite choisir le nom, votre nom en ajoutant le nom de votre organisation, votre ferme. Vous pouvez aussi éteindre votre caméra à n'importe quel moment. Ça, il y a une icône en bas à gauche de l'écran qui dit arrêter la vidéo. On vous demande aussi de garder vos microphones éteints en tout temps, sauf quand vous parlez. Si, pour poser une question, vous pouvez utiliser le chat. Et je vais lire votre nom avec la question, à moins
de m'envoyer un message par chat privé à moi et ensuite je vais le considérer comme anonyme. Vous pouvez aussi réagir aux questions. Vous pouvez voter en faveur de certaines questions. Ça va indiquer que la question... Vous allez... ce sera votre moment de parler, vous pouvez vous démuter et parler. S'il y a des problèmes techniques, parfois éteindre votre vidéo peut aider. Mais si vous avez encore des problèmes, envoyez-moi un message par chat privé et je vais essayer de régler le problème. Alors hier, nous avons créé ce tableau qui montre le nombre de personnes qui se sont inscrites pour ce webinaire depuis les différentes régions. Nous avons plusieurs personnes du Québec, de l'Ontario, des provinces des Prairies. Et on veut savoir quel est votre lien aux légumineuses. Pourquoi vous avez décidé de suivre ce webinaire? Donc, on va faire un petit sondage. Voilà le sondage. Quel terme correspond le mieux à votre activité? Vous avez les options suivantes. Ferme de petite taille, ferme de taille moyenne, ferme de grande taille. On sait que ça, la définition de petite, moyenne et grande peut changer dépendamment de la région. Peut-être que vous êtes un sélectionneur, un transformateur, vendeur, industrie, ça c'est l'option 5. Vous êtes un professionnel de l'agriculture, option 6 ou autre, option 7. 30 secondes. Awesome. So I think we can share those poll results. So we have quite a few small scale growers here. Nous avons plusieurs producteurs de petite taille, quelques fermes de taille moyenne, un seul sélectionneur, transformateur, et plusieurs professionnels de l'agriculture. Merci, merci beaucoup. So again, I am excited to invite Donc, you. Je suis ravi de pouvoir présenter ce webinaire. Je m'appelle Tiara Stokes et je suis la coordonnatrice pour la région des Prairies avec la Fondation Bauta. So we have Rebecca. Je pense que tous les coordinateurs régionaux sont ici. Rebecca est ici. Caitlin, les Maritimes avec Acorn. David, en Colombie-Britannique, Farm Folk City Folk. Et aussi notre collègue au Québec. Private message them and they can help you out today. Vous pouvez toujours envoyer un message privé à ces gens pour si vous avez besoin d'aide. Pourquoi parle-t-on des légumineuses aujourd'hui? Les légumineuses sont de plus en plus convoitées pour leur capacité de fixer l'azote pour les rotations de culture. Ce sont des cultures polyvalentes qui peuvent être utilisées à différents escients pour les cultures intercalaires, par exemple. Ça permet aussi de diversifier la rotation. Ça va donc augmenter la biodiversité, les occasions de mise en marché, les stratégies de gestion des mauvaises herbes et plus. Mais il manque beaucoup d'informations sur ces choses. Et aussi la disponibilité. Les semences peuvent être un problème. C'est pour cela que nous avons créé ce webinaire avec Neil Watney et Ayitre Akpakuma. Vous allez connaître cinq cultures légumineuses et comment vous pouvez les produire et les intégrer à vos rotations. Donc, les deux conférenciers vont d'abord intervenir et ensuite, il y aura une longue période de questions. Je vous demanderai donc de garder vos questions pour le premier conférencier jusqu'après les deux présentations. Mais vous pouvez toujours saisir vos questions à n'importe quel moment dans le chat. Nous allons commencer avec Neil Watley, qui va nous parler de pois chiches, de févroles et de lentilles. Il a 35 expériences dans ce domaine. Il a travaillé en agronomie, en recherche appliquée et développement rural au Canada. Il a été a grandi sur une ferme en Saskatchewan et il a co-géré sa ferme pendant plusieurs années. Il était développeur rural, agronome en Amérique latine. Il a aussi géré
un programme de recherche appliqué en Saskatchewan. Il travaille avec le gouvernement de l'Alberta et cela depuis 13 ans. Il est spécialiste en culture avec le Conseil de la recherche et de la promotion de l'Alberta. Et il est aussi avec un réseau financé par la Fondation Rockefeller. Il a un baccalauréat et aussi une maîtrise de l'Université de Regina. Si vous avez des questions pour Neil, attendez avant d'écouter la question de la présentation d'Aïtre. Vous pouvez quand même les poser à n'importe quel moment dans le chat. Neil. Je vais partager l'écran pour commencer. Awesome, we can see your screen. Nous voyons l'écran. I can't see the top part here. Il me manque la partie du haut. And how do I sort of, I don't want to eliminate you people. There we go. Et je ne veux pas non plus cesser de voir les participants. There, thank you. Thank you. Ah, voilà. Merci, Tiara, de cette belle présentation. Merci à l'initiative de la famille Botha sur la sécurité des semences, les autres commanditaires et les autres organisateurs de ce programme génial que vous avez. On va parler des légumineuses, la diversification, la rotation des cultures et la fourniture de semences, l'approvisionnement de semences. On m'a demandé de parler de ces trois cultures, les lentilles, les pois chiches et les févroles. Je suis un spécialiste en annuel. Je travaille avec les céréales, les oléagineuses et les légumineuses. Donc, je suis quand même un spécialiste. Ce sont des légumineuses vertes qui sont produites annuellement à des fins de semences. Je ne suis pas spécialiste en vivace ou en fourrage. Avant de commencer, je voudrais reconnaître que je vis et que je travaille sur le territoire régi par le traité 6, le territoire d'origine des Cris, des Blackfoot, des Nakoda, des Tutina, Chipewyan et Métis. Je voudrais parler de l'adaptation climatique des légumineuses d'abord. On m'a demandé parler surtout dans le microclimat des prairies canadiennes. Parlons donc des févroles qui aiment beaucoup l'humidité. 15 pouces de pluie et aussi un climat un peu plus froid. Sur cette carte, vous voyez les zones noires et grises qui sont les zones les plus septentrionales de production au Canada. Les févroles sont produites dans la zone noire. Les lentilles sont produites dans les zones plus méridionales, brunes, sur la carte. Ça, c'est les lentilles. Mais les lentilles commencent à pouvoir être cultivées aussi dans la zone noire. Les pois chiches sont très résistantes aux sécheresses et aux maladies. Donc, c'est quelque chose qui est surtout produit dans la zone brune. Mais cette culture-là, elle aussi se trouve de plus en plus dans la zone noire. Pardon, zone brune. Les avantages des légumineuses dans la rotation des cultures. On m'a demandé de parler des avantages, mais je les ai mis un peu ensemble parce que c'est à peu près la même chose pour chaque culture. Les avantages, bon. Il y a donc l'humidité du sol et l'utilisation des nutriments dans la rotation. Vous allez remarquer qu'on parle ici de la profondeur des racines dans la rotation des cultures. Les lentilles, les févroles ont une rhizosphère assez peu profonde. De 2 à 2,5 pieds, tandis que le blé et les cultures oléagineuses peuvent descendre jusqu'à 3 ou 4 pieds, même 6 pieds parfois pour certaines céréales. Donc, vous voyez dans le schéma à droite, on voit donc des différentes zones de rhizosphère. Quand vous produisez des lentilles et des févroles dans la rotation avec le blé et les céréales, vous allez
extraire, ça vous permettra d'extraire l'humidité et les nutriments de différentes couches du rhizosphère, de la rhizosphère. Un autre avantage, on m'a demandé de parler, c'est la fixation de l'azote. Je pense que bien des gens en savent quelque chose, mais les légumineuses poussent avec des rhizobiums bénéfiques pour le sol. Et il faut donc inoculer les graines avant de les planter au printemps avec la bonne espèce de rhizobium. On dit la bonne parce que le rhizobium est différent, dépendamment de l'espèce de rhizobium est différent, dépendamment de quelle culture il s'agit. Et ce que ça va faire, c'est que ça va activer la formation de nodosités aux racines, ou nodules, on dit les deux mots. C'est comme une petite usine de production d'azote sur les racines. Et ça permet donc de convertir l'azote atmosphérique en azote disponible au plan. Ces rhizobiums dans les usines de nodosité vont convertir l'azote en ammonium, en ammonie qui est disponible aux plantes. Ce processus commence 3 semaines après la germination. Cette fixation d'azote arrive jusqu'à la floraison. Une fois les cultures en train de monter en graines, le système de fixation d'azote s'arrête. Mais avec les févroles, ça continue. C'est avantageux de planter ces cultures-là dans des sols qui n'ont pas beaucoup d'azote, donc moins de 20 livres d'azote. Donc, s'il y a plus que ça, en fait, ils ne vont pas fixer l'azote, les rhizobiums. Donc, il va donner jusqu'à 80 % des besoins en azote à ces plantes-là. Et donc, il y a une des indications de l'efficacité, c'est qu'il y a des nodules rouges. Puis, au début juillet, il faut les couper et les ouvrir. Et s'ils sont rouges à l'intérieur, ça veut dire que ça fonctionne bien. Et si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire qu'il faut faire une réflexion et revenir et mettre quelque chose pour les inoculer. Une autre chose intéressante avec ces légumineuses, un autre avantage, c'est-à-dire le mycorhize arbuscule, est bénéfique et s'associe aussi aux légumineuses. C'est un champignon bénéfique qui s'associe avec les racines des légumineuses et ça crée des filaments avec des canaux microscopiques sur de grandes surfaces et cela, ça crée des liens entre les racines et le sol. Les plantes à gauche n'ont pas de MA et à droite, il en a. Vous voyez que les racines sont bien plus vastes quand ils ont le mycorhize arbuscule. Voilà. Un gramme de terre végétale contient beaucoup de mycorhize arbuscule. La recherche est en cours depuis 15 à 20 ans et en fait, on a des bons résultats qui commencent à sortir sur la microbiologie des sols. Donc, ce qu'ils font, c'est mycorhize à arbuscule, c'est qu'ils vont améliorer la capacité de prendre de l'azote du sol et également à composer les sulfates aussi dans le sol. C'est assez difficile dans le
quand on fait quand on cultive de façon conventionnelle, d'avoir assez de phosphore, donc cela peut aider beaucoup. Le mycorhize, ça aide aussi avec la sécheresse, la tolérance à la sécheresse. Je veux simplement mentionner une chose, est-ce que les semences oléagineuses ne s'associent pas bien avec les mycorhizes. Et en fait, ça crée une bonne relation avec d'autres plantes, mais chez les cultures oléagineuses, ben, les semences oléagineuses, ça ne fonctionne pas bien et il faut les considérer dans sa rotation des cultures. Ça aide également avec le biocontrôle et la distance entre les cultures. Et ils vont tenir le sol ensemble. Donc, il y a une meilleure aération, meilleure infiltration de l'eau. Et ils vont stimuler également la croissance des organismes microscopiques à décomposer les choses dans le sol. Donc, tout cela veut dire qu'il y a une meilleure capacité de relâchement de l'azote. Un autre avantage des légumineuses, c'est qu'ils vont briser le cycle des maladies chez les cultures. Donc, toutes les maladies qui touchent les feuilles, la brûlure de l'épi causée par le fusarium, ainsi que la mouche acide. D'autres avantages, c'est que ça peut améliorer ça peut augmenter la valeur du blé. Ce que les légumineuses font, alors, c'est pendant qu'ils se décomposent dans le sol, dans les années qui suivent la plantation de la culture, ça va se décomposer et ça va aider les prochaines cultures que vous plantez. Ça peut augmenter également la teneur en protéines du blé que vous cultivez après. C'est important de mentionner également qu'en culture conventionnelle, on peut seulement appliquer les engrais azotés dans les 4 à 6 semaines après la plantation. Donc, c'est très utile d'avoir ces légumineuses dans le sol pour servir aux grandes cultures pendant les années qui suivent. Il y a des gens qui vont attendre à ne pas les utiliser pendant que les prix sont élevés. Ils vont attendre à ce que les prix soient plus bas. Une autre chose qui arrive sur les prairies, c'est qu'il y a beaucoup plus de légumineuses qui sont utilisées dans les prairies en général. Donc, ça peut remplacer plusieurs choses. Ils peuvent servir de paillis, remplacer des plastiques et on peut les utiliser vraiment pour augmenter la valeur des cultures. Où est-ce qu'on peut trouver les semences? On m'a demandé de regarder cela. Pour les cultivateurs biologiques, le plus souvent, on va les chercher chez d'autres cultivateurs. Le certifié biologique, c'est très populaire. Et on peut utiliser ce localisateur de semences écologiques. Les Canadian Organic Growers, cultivant biologie Canada, on peut les trouver également. Souvent, votre acheteur va savoir où trouver les semences également. Si vous cherchez des semences conventionnelles, l'Association canadienne des producteurs de semences va vous servir aussi et vous voyez. URL de seedlocator.net.
Donc, ils viennent sous forme de livret et en ligne. Donc, pour les prairies, ça peut être très utile. Pour ce qui est des lentilles, je vais commencer par parler des variétés et catégories commerciales. Donc, les petites rouges sont populaires avec les cultivateurs biologiques conventionnels. On les appelle à cause de la couverture, en fait, de l'extérieur de la semence, mais c'est l'intérieur. Qui est rouge. Donc, une autre catégorie de marché, c'est les grosses vertes. Le Dr. Slankard, c'était celui qui les a qu'ils a utilisé. Et donc, on peut les comparer en grandeur. Ils sont à peu près de la même taille d'une autre qui était communément utilisée. Donc, les CDC Green Star, les lentilles ne compétitionnent pas bien les mauvaises herbes. Et en fait, ça a une croissance très vigoureuse, donc ça peut aider avec la suppression des mauvaises herbes. Une autre catégorie commerciale, ce sont les vertes françaises. Vous voyez aussi les brunes espagnoles et quelques nouvelles variétés ici. Vous voyez le numéro 3 et 4, les beluga, Indian Head, les noirs. C'est une autre sorte qui n'est pas cultivée de façon conventionnelle, mais je sais que du côté biologique, c'est assez populaire. Parler un peu de génétique pour la satisfaction de ceux qui produisent les semences. Donc, voici probablement le diapo le plus important dans toute ma présentation. Donc, ça s'applique à toutes les sortes de lentilles dont je viens de parler, mis à part les noirs et les bleus. Donc, ils ont été sélectionnés pour avoir des gousses plus hautes. Quelques-unes des variétés qui à haut rendement, ils sont à 3 pouces de la surface du sol. Donc, avec le rouleau brise-motte, ça aide énormément à réduire le défi avec la récolte. Car souvent, les graines sont bien trop proches du sol. Donc, cela peut aider dans le traitement. Donc, ils ont aussi une grande résistance à l'averse. Donc, la partie du bas de la tige, souvent, il va être propice à l'averse. Donc, cela aide aussi avec la récolte. Et la résistance aux maladies. Dans les années 80, 90 et dans les débuts des années 2000, c'était très populaire de les cultiver. Et on a vu que voilà, les maladies se sont installées, de la sauchitose. Et donc, vous allez percevoir que si vous avez beaucoup d'humidité au début juillet, vous allez voir ces ravageurs, ces insectes nuisibles-là. Donc, vous allez voir ça donc, ça ne va pas apparaître dans les zones noires, mais peut-être dans les autres zones un peu plus humides. S'il y a beaucoup de pluie et beaucoup d'humidité et plus d'humidité dans le sol, plus d'azote dans le sol, au début juillet, les anciennes variétés allaient monter en fleurs
Mais maintenant, si vous avez l'humidité avec les changements climatiques, ça arrive plus souvent. Cette année, c'est très, très sec. Mais auparavant, ils n'allaient pas monter en grain. Donc, cela nous permet de les faire, de les cultiver dans des zones plus humides également. Des défis, donc l'engagement dans le sol. Vous voyez ces champs, il y a trop de pluie et ça a inondé les racines. Si vous allez les cultiver dans des zones plus humides, vous voulez le faire dans des zones où la terre est plus argileuse. Il y a beaucoup de cultivateurs qui vont You want to stay away from fields, even in those soil zones that have large, low areas, like we're talking 20 or 30 acres. Dans les zones, donc, on peut avoir des problèmes. Bit of waterlogging, but the rest of si la terre est très argileuse, mais on peut rajouter du phosphore pour aider avec cela. Donc, on a les problèmes avec le fusarium, également avec le pourridier. Donc, vous voyez, dans des zones où on fait pousser beaucoup de lentilles et de pois, on peut avoir ces maladies, donc surtout dans des sols argileuses. Et vous voyez à gauche, donc, un champ de pois, des champs. Et donc, si vous les retirez, vous voyez que les racines sont brunes. On voit que les symptômes sont pareils comme chez les lentilles. Donc, la phanomyces. Vous voyez en bas à gauche, donc le fusarium, c'est le pourridier, le fusarium. Et si vous voyez cette ligne rouge, ça veut dire qu'en fait, le fusarium s'est installé. Bien des producteurs vont produire des lentilles sur le chaume. Vous voulez avoir peu d'azote, des niveaux faibles d'azote pour que la fixation s'enclenche. Et il est important de maintenir le chaume assez élevé. On veut peut-être contrôler les mauvaises herbes si vous êtes en régie biologique avant d'ensemencer, mais laissez la chaume assez élevée. Il y a des producteurs biologiques qui vont... quand on le fait, ça réduit... augmente le rendement parce que l'humidité dans le sol s'évapore moins avant la fermeture du couvert. Et il y a aussi le fait que les gousses seront plus hautes, donc ça va aider à la récolte. Vous les laissez 4 ans avant les pois et les lentilles dans la rotation dans les prairies à cause des problèmes de la pourriture des racines. Si vous avez des aphanomyces, l'aphanomyces, vous voulez laisser 6 ans entre les deux cultures dans la rotation. J'ai parlé un peu du rouleau brise-motte. On le fait bien que ces cultures forment des gousses plus hautes. Vous voulez quand même enlever ou plutôt faire entrer avec les rouleaux des roches dans le sol et briser les mottes de terre, les buttes. Ça va vous permettre de bien d'utiliser la moissonneuse-batteuse. Vous pouvez rouler tout de suite après l'ensemencement, mais
si vous n'avez pas le temps ou s'il y a de la pluie qui vous empêche d'aller sur la terre au printemps, donc vous pouvez rouler jusqu'à en poste de V jusqu'à 5 à 7 nœuds. Vous voyez le schéma qui indique l'allure de la plante quand elle a 5 nœuds. On parle d'étapes nodales parce que ce sont des feuilles composées et si on parle de feuilles, c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi des feuillets. Et alors, donc on parle plutôt de nœuds. Vous voyez un nœud en dessous de la surface. Si vous avez un gel au printemps, vous pouvez planter cette culture même à la fin d'avril, début de mai. Mais s'il y a du gel et que ça tue la partie en surface, là, ça va repousser. Il est important de rouler en matinée, plus tard en matinée. Pour éviter de rouler sur des plantes humides, ça a pour effet de propager des maladies et ça endommage les plantes. Donc nous avons Desi et Kabuli qui dans les pois chiches Kabuli avec Desi, les semences sont plus petites et angulaires, avec une couche plus épaisse et foncée. Kabuli ou garbanzo, c'est une graine plus. Les semences sont plus grandes et plus rondes, avec une couche crème plus mince. Et au Canada, et on peut s'en servir pour les salades en conserve. Plusieurs d'entre vous vivent en ville. Moi, je n'y suis pas souvent, mais quand vous allez au bar à salade, les restaurants, et que vous voyez les gros pois chiche dans la salade, eh bien, c'est ça. Je dois interrompre. Il nous reste 5 minutes. Parfait. Les défis, brûlure associatique, c'est une maladie grave chez le pois chiche. On a aussi le problème de la maturité tardive, 110 jours pour Desi et 120 pour Kabuli. Et ça, c'est un problème au Canada parce que le gel peut s'installer après 120 jours. Et aussi, il y a un type de croissance indéterminée. Les avantages du pois chiche, cela repousse les insectes nuisibles. Les feuilles, les tiges et les gousses sécrètent de l'acide malique qui est désagréable au goût pour les insectes. Et l'autre avantage des pois chiches, c'est que ça offre un bon rendement dans les zones de pluie plus faibles. Il y a davantage de recherches sur les avantages d'une culture intercalaire entre pois chiches et lin. Il n'y a pas un grand avantage au niveau du rendement, mais le lin peut bien marcher avec le pois chiche. Vous voyez donc deux rangées intercalées avec deux rangées de pois chiches intercalées avec deux rangées de lin. Donc, quand le pois chiche est malade, c'est le lin qui va un peu empêcher les spores de se répandre vers les autres rangées. Cela aussi fait en sorte que le pois chiche soit plus déterminé parce qu'il doit faire concurrence au lin. Et va arriver à la maturité plus rapidement. Quelques affaires sur les févroles. C'est une longue saison de croissance de 110 à 130 jours dans le nord. Donc, il y a un risque de gel avant la récolte. Il faut semer tôt. Le 7 mai, c'est déjà tard. Après le 15 mai, c'est trop tard. C'est un climat frais. Avec plus de précipitations, donc confiné à la zone grise, zone noire, pardon. Et parfois, le marché est un peu douteux. C'est Malik qui a les grosses graines que les gens
qui a beaucoup de tanins, donc c'est quelque chose qui est préféré par les consommateurs. Il y a un marché de consommation humaine en Moyen-Orient et en Asie. Ce sont de grosses semences, comment? Donc, qui peuvent bloquer le semoir. Mais ça, c'est un problème. Si on ne peut pas les vendre pour la consommation humaine, le bétail ne mangera pas ça à cause des tanins. Les types sont, par exemple, les variétés sont Snowbird avec de grosses semences. Ça peut être vendu pour du surgelé à l'automne et consommé par les êtres humains et le bétail. Les petites semences sont plus rondes, donc on n'a pas besoin de semoir automatique. Mais les avantages sont que c'est une excellente plante pour ce qui est de la fixation de l'azote avec beaucoup de biomasse pendant toute la saison de croissance. Donc, c'est une excellente culture pour l'engrais vert, une grande biomasse. Donc, c'est une culture avec beaucoup de potentiel. Alors maintenant, il y a quelques problèmes. Il y a la punaise qui est très commune dans le canola et va commencer à manger. Va donc être hébergé dans les champs de canola et va ensuite envahir les champs de févrole. Ensuite, nous avons le cytone du pois qui fait des entailles aux feuilles. Cela ne va pas tuer la plante, mais ce qui passe, c'est que l'insecte va voyager vers le bas de la plante, vers les nodosités, et ensuite larves mangeront les nodules, les nodosités, ce qui fait en sorte qu'il y aura une perte d'azote pour le plant. Voilà. Thank you, Neil. Thank you. That was fantastic. And donc thank you voilà. Merci. Je pense qu'on arrive à la minute 30 if you have any questions for Neil, I saw a few in the chat and we'll make sure to get to those in the question period. Donc, si vous avez des questions pour Neil, vous pouvez les poser dans le chat. To introduce Aitre. Thank you. In the meantime, Tiara, can you make me able to activate my... En attendant, est-ce que tu peux activer mon partage d'écran? En attendant, je vais présenter Aitre. En fait, Aitre est agronome au Bas-Saint-Laurent avec le MAPAC. Et je l'ai rencontré il y a quelques mois quand on l'a invité à nous parler du quinoa et du lin. Aitre a fait beaucoup de présentations sur les cultures émergentes pour l'Est du Québec. Et donc, je suis ravi qu'il se joigne à nous aujourd'hui. Il a étudié en agronomie à Lomé, puis en développement rural à Québec. Je vais maintenant partager sa présentation. Est-ce que vous la voyez? Aitre, je changerai les diapos. Oui, on la voit, mais elle n'est pas en mode. Excuse-moi, j'ai coupé ton son sans faire exprès. Désolé. Oui, ça, il disait qu'on la voit en mode, sans mode diaporama. Peux-tu répéter? J'ai dit, moi, je la vois la présentation, mais elle n'est pas en mode diaporama. Ah, elle n'est pas en mode diaporama. Vous ne la voyez pas en mode diaporama, hein? On voit une partie de... On voit les slides à gauche. OK, je vais... refaire ça. Je pense qu'il faut la mettre en diaporama avant de la partager. Oui, il y a un petit...
Donnez-moi une seule seconde. Désolé, mon écran gèle, c'est pourquoi je n'ai pas pu la partager là. En attendant qu'il puisse la partager, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Mais après la présentation de M. Neil, j'ai l'impression de... J'ai juste envie de désister. Là. Est-ce que c'est trop tard? Non, mais merci beaucoup donc à tous les participants. Donc, ce matin aussi, Hugo m'a envoyé les attentes. Et quand j'ai vu les attentes, je me suis dit que c'était trop tard pour désister. Je vais avancer. Et c'est ça, moi, je me suis dit, en fait, la culture dont je vais vous parler, c'est essentiellement pour ouvrir la porte, pour échanger sur ces cultures. Donc, ce n'est pas parce que il y a l'expertise, on va vous en présenter, c'est absolument ça, mais c'est vraiment pour ouvrir la porte. J'étais content de voir plusieurs personnes qui, avec beaucoup d'expérience qui sont inscrites ce webinaire. Comme ça, on va pouvoir partager là-dessus. Donc, je ne sais pas si ça va marcher, la présentation. Est-ce que tu la vois? Oui, je la vois. Donc, okay. on va essayer d'aller comme ça. Donc, moi, c'est ça, quand Hugo m'a interpellé, donc merci encore, Hugo, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Quand Hugo m'a interpellé, j'ai décidé de parler de ces deux cultures parce que je trouve que c'est des cultures quand même qui ont des avantages, même s'il y a des défis. Mais quand on n'en parle pas beaucoup, il y a quand même intérêt à pouvoir mieux les connaître. Donc, moi, le plan de la présentation va être structuré comme suit. Je vais essayer de parler le plus lentement possible parce que je sais qu'avec l'accent plus, le travail à faire, parfois, ce n'est pas évident de suivre. Donc, le plan de la présentation, c'est de parler de l'avantage des cultures dans la rotation, les aspects agronomiques, les défis agronomiques, les semences, un peu aborder brièvement ce côté et les opportunités dans la diversification. Donc, vous allez voir que ce n'est pas aussi détaillé comme M. Neil l'a présenté, mais je vais commencer par le trèfle incarnat. Donc, pour vous présenter, c'est pourquoi l'intérêt pour le trèfle incarnat avec une belle photo de gracieuseté de Louis Robert. Donc, suivant. Oui, Hugo, tu peux aller. Oui. Pourquoi c'est le trèfle incarnat? Parce que évidemment, c'est une culture intercalaire, c'est pour vraiment pour la mettre comme culture de couverture. Et c'est une culture qui est facile à établir, parce qu'on peut l'établir à la volée, puisque les grains sont un peu plus pesants que les autres trèfles. Si on la compare, par exemple, au trèfle rouge, si vous prenez le poids de 1000 grains du trèfle rouge, on parle d'à peu près 1,7 grammes, mais le poids de 1000 grains pour le trèfle incarnat, on parle de 3 grammes, donc c'est à peu près le double. Donc, c'est quand même, ça facilite de pouvoir l'implanter à la volée, même si ce n'est pas tout à fait uniforme tout le temps. C'est aussi facile à détruire parce que c'est une culture, elle ne survit pas, le trèfle, il ne survit pas à l'hiver. Il survit très peu, donc c'est facile quand même à détruire. Et donc, ça amène un avantage à l'utiliser en régie biologique. Et en conventionnel aussi, parce que vous savez très bien qu'en régie biologique, la destruction des cultures ou des mauvaises herbes pose problème. Donc, si l'hiver peut faire le travail à notre place, c'est un avantage qu'on peut voir là-dessus. Et c'est très peu compétitif, donc ça peut supporter l'ombrage. Donc, ça ne peut pas nuire à la culture principale, donc très peu d'impact sur le rendement que ça peut avoir sur la culture principale. Et au niveau environnemental, considérant qu'on n'a pas besoin de l'arroser, on se retrouve quand même avec un bon avantage parce que il n'y a pas d'herbicide qu'on va utiliser. Et dans certains cas, il y a quand même c'est une plante mellifère. Donc, il y a même certains cas, on m'a mentionné que des producteurs qui prenaient des ententes avec des producteurs qui font du trèfle incarnat pour aller installer leur ruche pour pouvoir bénéficier de cet aspect mellifère. Suivant. Just a correction on the translation. Crimson clover does not produce honey, but will attract... Ok. Suivant, c'était. Donc, c'est ça. Donc, après ça, Hugo. Ok. Donc, l'autre avantage, c'est ça, parce que c'est une culture qu'on peut
utilisées comme fourrage ou en pâturage, comme on peut l'implanter à la volée. Et on a connu surtout dans l'Est du Québec, donc, où moi je suis, on a eu quand même des sécheresses ces dernières années. Donc, dans ces conditions, c'est facile de remettre ça dans un spot où pour établir, pour permettre d'avoir un fourrage d'appoint. C'est quand même très important de souligner ça. Et comme toutes les autres cultures intercalaires autres, ça permet de lutter surtout contre plusieurs insectes dommageables. Entre autres, on parle ici de la chrysomèle ou de la pyrèle dans le maïs ou le nématodachyse dans le soya. Mais c'est sans oublier aussi son apport en azote. Donc, dans certains cas, on mentionne qu'on peut retrouver une réduction de 60 à 80 kg d'azote pour le maïs subséquent après la rotation avec le trèfle incarnat. Mais il faut savoir que le trèfle incarnat peut apporter beaucoup plus que ça. Dans certaines études, il parle même jusqu'à 75 à 100 kg par acre d'azote que ça peut apporter. Donc, c'est quand même très intéressant. Et c'est sans oublier aussi les effets qu'on a sur la santé des sols. Et on parle ici de la vie microbienne, la structure des sols, la couverture pour éviter l'érosion et notamment tout ce que ça peut apporter en lien avec l'azote aussi, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est quand même très important comme culture pour aider au niveau de la santé des sols. Donc, parlant de la santé des sols, c'est ça, moi, je voulais vous présenter une étude qui a été faite en 2019-2020, quand même en Abitibi, donc c'est quand même dans les conditions fraîches du Québec, et c'est dans deux sites. Ce que je voulais vous montrer à travers ça, c'est vraiment de regarder la biomasse aérienne fournie par le trèfle incarnat, comparée aux autres légumineuses qui étaient en essai aussi. C'est le trèfle incarnat a produit plus ou moins, plus... a produit soit l'équivalent ou plus par rapport aux autres trèfles qui étaient en essai. Donc, que ce soit en 2019 ou en 2020, donc vous le voyez très bien ici sur les graphiques, là, ce qui est mis pour le trèfle incarnat et dans les deux sites. Donc, si on regarde aussi au niveau de... Parlant au niveau de l'apport en azote aussi, donc pour la partie qu'on parle de biomasse aérienne, donc, on voit très bien aussi que le trèfle incarnat a produit, a apporté de l'azote autant, sinon plus que les autres trèfles qui étaient mis à l'essai à ce niveau. Et ça, c'est en 2019. Et on voit aussi en termes d'apport de carbone aussi, de la biomasse aérienne, c'est aussi autant ou sinon plus que les autres trèfles qui étaient mis à l'essai. Si on regarde aussi en termes de ça, c'était en 2019 et on retrouve la même chose en 2020. Donc, c'est quand même un trèfle qui est capable d'apporter beaucoup d'éléments, que ce soit le carbone ou l'azote, comparé aux autres trèfles. C'est ça que je voulais vous montrer à travers ces graphiques. Donc, ce que je voulais vous inviter aussi à suivre, suivant, s'il vous plaît, Hugo. Oui, ça c'était par rapport à le deuxième graphique pour 2020, pour vous présenter l'apport en azote et en carbone. Donc, suivant, s'il vous plaît. Oui. Ah, ouais. Donc, ce que je mentionnais, c'est que il y a quand même plusieurs producteurs qui ont testé le trèfle incarnat et je vous invite à aller voir le témoignage d'un producteur qui en a essayé déjà, donc j'ai mis le lien en bas que vous pouvez suivre. Donc désolé pour le déphasage, donc je vais essayer de suivre ce que Hugo va afficher pour que ça puisse suivre parce que moi j'y affichais de mon côté. Suivant Hugo, s'il te plaît. Donc au niveau des aspects agronomiques, par rapport à cette culture, c'est le trèfle incarnat, c'est une bisannuelle, mais qui ne survit pas à l'hiver. Donc, ça fait que, ben, c'est ça, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est quand même facile de la détruire. Et c'est une culture qui aime les sols frais, humides, bien égouttés, riches en phosphore et dont le pH est supérieur à 5. Moi, je dirais plutôt à 5,5. 5, c'est, oui, ils mentionnent ça dans les études, mais c'est vraiment, il faut penser que c'est le pH à 5,5, c'est quand même la limite pour l'aider à pouvoir valoriser, maximiser la biomasse qu'on veut chercher par rapport à cette culture. Et c'est important, M. Nil l'a mentionné tantôt, pour la plupart des légumineuses, pour les légumineuses de façon générale, il faut utiliser l'inoculum. Et ici, il faut utiliser le même inoculum que le trèfle rouge ou le trèfle blanc. Donc, c'est important de l'avoir si on veut quand même
que la culture puisse valoriser de l'azote atmosphérique. Donc, pour faire ces nodules, pour pouvoir faire l'azote atmosphérique. En ce qui concerne le taux de semis, on parle d'à peu près 15 à 25 kg par hectare. Parfois, il y a dans certains essais, dans certaines études, ils en mettent plus. Donc, dépendamment de l'usage, si qu'on peut en faire, donc on peut mettre quand même jusqu'à 25 kg par hectare de semences. Suivant, s'il vous plaît. Donc, maintenant, continuer aussi pour le semis, on peut le semer à la volée, comme je l'ai mentionné, parce que les grains sont un peu plus pesants que les autres trèfles. Mais c'est quand même important de savoir que c'est semer à la volée, c'est jamais tout à fait uniforme. Ça, il faut être conscient de cette problématique. On peut semer aussi en rang, mais semer en profondeur, avec une profondeur de un quart de pouce, quand on parle de sol avec à texture fine comme les argiles, et ou de un quart à un demi à un trois quarts de pouce pour les sols quand même plus sableux. Mais quand on regarde pour la période de semis, oui, les gens peuvent dire, ah, c'est intéressant, on peut semer ça très vite, mais il faut éviter vraiment, il faut semer selon le besoin, mais il ne faut pas semer très tôt. Vous allez le voir dans les slides suivants que il est important de ne pas avoir le gel avec le trèfle incarnat. Donc, la hauteur des plants, on peut s'attendre à avoir des hauteurs qui peuvent atteindre jusqu'à 25 cm là-dessus. Donc, c'est pour revenir un peu là-dedans, là, il faut s'assurer de semer pour avoir 6 à 8 semaines avant le premier gel. C'est très important. Donc, quand on regarde maintenant au niveau des défis qu'on peut rencontrer par rapport à cette culture, c'est la faible pérennité. Donc, si on veut l'utiliser, je l'ai mentionné tantôt, qu'on peut l'utiliser comme fourrage d'appoint ou au niveau du pâturage. Donc, il faut être conscient qu'on ne pourra pas l'avoir la deuxième année. Donc, il faut revenir pour si on veut l'implanter. Donc, on ne peut pas le semer sur ce sol gelé comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, ça pourrait être tentant de dire, on va le semer à la volée sur ce sol gelé pour comme on le fait, le vasage et autres, pour compenser. Mais c'est important de ne pas le semer sur sol gelé. Et ça ne tolère pas des sols mal drainés. C'est très important. On voit aussi au niveau des défis, c'est dans certaines études, ils ont mentionné que ça peut être quand même haute de certains vers un autre secondaire pour le vers de l'épi du maïs. Donc, c'est quand même important de voir à quel stade et comment on peut le mettre là-dessus. Et ça ne supporte pas les sols secs, comme je l'ai mentionné tantôt, ça aime quand même les milieux plus humides. Et dans certains cas, ils ont mentionné que ça peut compétitionner moins certaines mauvaises herbes. Ben, on s'entend très bien que si les mauvaises herbes sont importantes, c'est certain que peu importe la culture intercalaire que vous allez mettre là-dedans, ça va être difficile à compétitionner. Donc, pour les informations concernant le prix, donc c'est ça moi ce que j'ai trouvé, c'est au niveau du CRAC, le Centre de référence en agriculture agroalimentaire du Québec, qui mentionne les prix surtout au niveau de la poche pour... on parlait en 2019 de 118 $ pour la poche de 25 kilos. Et en 2020, quand même, ça a monté à 120, à 121 $ la poche de 25 kilos. Mais si on prend, par exemple, le trèfle rouge, comparé au trèfle rouge, je voulais vous faire quand même le comparable. Pour une poche de 25 kilos, on parlait en 2019 de 327 $ et en 2020, on parle de 228. Je ne pourrais pas vous expliquer c'est quoi la raison, qu'est-ce qui a fait que ça a baissé pratiquement de 100 $. Donc, mais c'est quand même, vous voyez la différence de prix avec le trèfle incarnat. Où est-ce qu'on peut trouver les semences? On peut trouver quand même la plupart des semenciers qui vendent les semences fourragères, on peut en trouver. Et on peut aussi trouver les semences au niveau des semences enregistrées, le lien que j'ai mis là-dessus. Vous cherchez trèfle incarnat, vous trouvez les semences enregistrées et vous allez cliquer, vous trouverez le vendeur, le distributeur autorisé de la semence. Donc, c'est quand même facile d'aller chercher si cette personne distribue ou non dans notre région ou dans notre province. Donc, il y a aussi en Ontario, eux, ils ont constitué une banque pour les semences de culture de couverture que les gens peuvent consulter avec le lien que j'ai mis là-dessus. Donc, ici, je voulais vous montrer un peu une photo du trèfle incarné au stade plantule, à quoi ça ressemble. Et la photo suivante, on parle ici de, on voit très bien que c'est une biomasse qui va être quand même très intéressante à produire, même si c'est un essai maison qu'on a fait avec ce suivi. Et c'est vraiment la floraison au niveau
du trèfle incarné, quand même, qui est très joli là-dessus. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais je vais essayer de. On va les prendre à la fin. Donc, je vais continuer avec, si ça ne vous dérange pas, avec le pois cultivé. Donc, les avantages d'avoir le pois dans la rotation, c'est quoi? En tout cas, c'est une information, ça ne fait pas partie des avantages, mais je voulais quand même la mentionner que 98% du pois cultivé, quand on mentionne en 2014, était produit dans les prairies. Et c'est ça, je sais qu'il y a du monde dans les prairies qui sont inscrits ici pour ce webinaire. Et entre parenthèses, il y a un des acheteurs qui m'a contacté cet été pour avoir du pois. Et quand on regarde dans l'ensemble, c'est vraiment dans les prairies. Je n'ai pas pu trouver même à l'intérieur des distributeurs au Québec quelqu'un qui pourrait lui fournir la quantité qu'il en voulait. Donc, la parenthèse est terminée. On revient maintenant sur les avantages. Parce que c'est quand même une culture qui peut avoir de multiples usages dépendamment de la variété qu'on va utiliser. Donc, on peut utiliser, on a les variétés qui vont être utilisées pour les grains, pour la consommation humaine ou la consommation animale. On peut avoir des variétés aussi pour l'engrais vert ou le fourrage. Et c'est sans oublier vraiment l'apport en azote que ça peut amener. Et on parle d'ici jusqu'à 190 kg par hectare d'azote que le pois peut amener. Et c'est aussi avantageux pour ceux qui regardent le créneau du sans gluten. C'est quand même très intéressant. On parle de protéines végétales, mais il y a aussi le sans gluten. Quelqu'un, en mettant le pois dans la rotation, c'est quand même très intéressant parce que naturellement, ben, elle est sans gluten. L'autre avantage, c'est que, comme je l'ai mentionné, c'est une culture qu'on peut mettre en pur, donc cultiver seul, ou en association avec d'autres espèces ou d'autres variétés. Et c'est une excellente source de protéines et d'énergie pour les ruminants. Donc, il y a des études dont j'ai mentionné là-bas qui ont fait le test, qui ont trouvé que c'est quand même très intéressant, qu'il pourrait être utilisé, le pois pourrait être utilisé comme supplément protéinique pour certains animaux. Et ça peut aussi, en mettant le pois en intercalaire avec de l'orge, par exemple, ça permet plutôt à l'avantage du pois de réduire ce qu'on appelle l'asticose, la tache ascotique, donc au niveau du pois qui peut déclasser, qui peut amener à des pertes de valeur monétaire. Donc, c'est quand même aussi adapté à plusieurs régions. Donc, notamment les régions périphériques, les régions plus froides. Donc, c'est quand même intéressant comme culture. Ici, on en voit un peu partout, on peut en cultiver un peu partout. Je parle au niveau du Québec, puisque c'est là où je connais un peu mieux. Pour les aspects agronomiques, comme je l'ai mentionné, ça aime des climats frais. Donc, c'est les conditions fraîches et sèches. Donc, le pois peut germer jusqu'à quand il y a la température est à 4,5 degrés Celsius. Quand je parle de la température du sol, c'est à peu près autour de les trois premiers centimètres du sol qu'on peut avoir cette température, donc on peut planter et les plantes peuvent tolérer quand même un gel léger. Donc, les types de sols, on parle ici des sols sableux, argileux, bien drainés, mais je dirais plutôt des sols, des loams sableux plutôt que du sable. Donc, je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi j'aime mieux parler de ça, de loams sableux que du sable. Donc, le pH ciblé, c'est vraiment le pH autour de la neutralité. C'est très important comme critère. Et quand on a un pH inférieur à 6,2, il faut penser à chôler avant de pouvoir semer le pois. Donc, il faut préparer, avoir un bon lit de semences et semer au printemps aussitôt que c'est favorable. Les conditions sont favorables pour rentrer. Il ne faut pas rentrer plus tôt pour créer de la compaction et autres conditions qui peuvent détruire la santé des sols. Ça, c'est quand même important à suivre là-dessus. Donc, pour continuer avec les aspects agronomiques, quand même, c'est la même chose qu'on a mentionné pour la plupart des légumineuses. Il est important d'inoculer avec une souche de rhizobium et on peut semer avec un semoir pneumatique ou un semoir conventionnel. Mais il faut penser, si on utilise un semoir conventionnel, à avoir quand même des ouvertures pour les gros grains, pour éviter d'abîmer les grains, parce que sinon, autrement, on va affecter la germination. Le taux de semis, il est vraiment variable selon les cultivars et la grosseur des grains. Donc, c'est quand même très, très variable. Et en bio, en régie biologique, ce qu'on vit, c'est vraiment, on parle de 156 semences au mètre carré. Donc, pour cibler, une densité de plants d'environ 100
plan par mètre carré. Donc, ça, c'est en biologique. Au niveau conventionnel, on peut aller jusqu'à 75 ou 85 plants au mètre carré. C'est quand même tolérable parce qu'on peut contrôler plus les mauvaises herbes là-dessus. Et on peut semer ça à une profondeur de 3 à 8 cm, mais dans un espacement ou entre les rangs de 15 à 33 cm, dépendamment de qu'est-ce qu'on vise comme production là-dessus. Encore quelques minutes à y traiter. Parfait, je m'en viens. Donc, au niveau de la fertilisation, donc j'ai pris la fertilisation, les grilles de fertilisation qui ont été mises à jour en 2021. Donc, je vous en parlerai un peu, faire le parallèle avec ce qui était utilisé. On peut mettre de l'azote à 30 kg par hectare à la volée avant de semer. C'est sûr que les légumineuses vont convertir l'azote atmosphérique, mais avant de s'implanter, quand même, ça prend quand même un début, donc c'est quand même important de les mettre. Au niveau de l'azote, c'est vraiment variable dépendamment de la texture du sol. On parle de G1 jusqu'à G3. Les G1, il faut penser que c'est la texture fine. Et les G2, ben, la texture moyenne. G3, c'est la texture grossière. Et surtout, de la saturation en phosphore, l'indice de saturation en phosphore. Donc, c'est ça qui va être très important de déterminer combien de kilogrammes de P2O5 qu'on peut apporter. Et on peut aller jusqu'à 60 kg, dépendamment de ces critères que je viens de mentionner. Donc, au niveau du potassium, ces critères aussi vont avec la texture de sol. Et on peut aller jusqu'à 30 kg de K2O par hectare. Donc, c'est quand même très important de bien suivre ça. Donc, j'ai fait un peu le parallèle aussi pour vous montrer qu'est-ce qui était utilisé avant. Donc, la slide suivante. Donc, pour vous montrer qu'est-ce qui était utilisé dans le cadre du travail qui a été fait par Madame Christine Landry et ses collaborateurs, on voit très bien que pour le crack, les références du crack en 2010, on allait carrément jusqu'à 160 kg de P2O5 par hectare. Donc, c'est quand même beaucoup ce qu'on utilisait par rapport à ça. Et je sais qu'il y a d'autres personnes, d'autres provinces, donc, j'ai voulu sortir ça aussi par rapport au travail qu'ils ont fait, qu'il y en a quand c'est en fonction de l'analyse de sol. Mais quand on regarde aux États-Unis, soit on n'en met pas, ou parfois quand on en met quand même aussi beaucoup. Donc, jusqu'à 170 kg de P2O5. J'ai fait aussi le même exercice, c'est le suivant, au niveau du potassium. Donc, on le voit très bien qu'avant, avec les références du crack, on en mettait jusqu'à 110, et maintenant, on parle jusqu'à 60. Et alors qu'ailleurs aussi, on en met quand même jusqu'à 180, dépendamment de l'analyse. Donc, c'est quand même variable d'une région à l'autre, les grilles pour pouvoir fertiliser le pois. Donc, si on revient rapidement au niveau en continuité des aspects agronomiques, les rendements du pois sont variables. C'est vraiment, on parle de façon générale en moyenne de 2,3, autour de 2,3 à 3 tonnes à l'hectare. Et selon le CRAC 2019, quand on a un rendement en grains de 2,3 tonnes, on peut avoir plus de 3 tonnes en résidus qui vont être laissés au sol. Donc, c'est quand même important à ne pas négliger. Mais dans les rendements, comme je vous l'ai dit, que c'est variable, on parle de 3 tonnes pour la financière agricole, même parfois plus de 5 tonnes. Et avec les essais qui ont été réalisés par Denis Pajot et avec l'ISDUB, avec le MAPAC régional au niveau du club de gestion des sols en 2015 ici. Donc, pour les variétés, il faut penser à des variétés à croissance déterminée. On parle de 80 à 90 jours et les autres variétés vont aller jusqu'à 110 jours. Donc, le pois, on peut le récolter directement ou l'andainer. Surtout quand on l'andaine, quand on soupçonne qu'il y a une inégalité de maturité ou il y a la présence de mauvaises herbes. Et il faut penser aussi quand est-ce qu'il faut récolter, parce que le pois, quand il est prêt, ça peut s'éclater, on va avoir quand même beaucoup de pertes. Il faut récolter quand le taux d'humidité est entre 14 et 20 %, et on récolte soit avec un convoyeur ou un vis à grain. Mais si on utilise un vis à grain, il faut baisser la vitesse justement pour ne pas abîmer les grains. Et une fois récolté, il faut quand même s'assurer de baisser le taux d'humidité en bas de 14 pour pouvoir le conserver. Donc, c'est l'inconvénient, le défi au niveau du pois, c'est quoi? C'est le chaume, il n'est pas très efficace pour la rétention de la neige. Donc, quand on fait le pois, surtout en culture seule, il faut penser à mettre une céréale d'automne pour pouvoir couvrir le sol, retenir la neige si on veut le travail là-dessus. Il y a aussi l'oïdium. Donc, dans certaines études, il mentionnait qu'on peut atteindre jusqu'à 15 % de perte de rendement dans les prairies à cause de l'oïdium.
Mais la plupart des variétés qui sont développées récemment sont résistantes à cette maladie. Donc, il y a aussi ce que j'ai trouvé, c'est la vitesse de digestion ruminale qui peut être lente. Donc, c'est ça pour au niveau de quand on veut utiliser le pois comme supplément protéique. Donc, il faut aussi bien choisir le bon cultivar pour le bon usage pour le coup. Parce que si on achète les cultivars pour le grain et qu'on l'utilise pour le fourrager, ce n'est pas le même usage et ça peut augmenter vraiment les coûts par rapport à ce qu'on veut faire avec ça. Donc, en gros, c'est ça. Donc, l'autre défi, c'est l'adaptation à la ration versus la ration préconçue. Donc, quand on a des moulées qui sont déjà préconçus, donc si on veut introduire le pois là-dedans, il faut savoir faire l'adaptation. Il faut aussi penser à l'uniformité de la ration quand on veut le valoriser avec, par exemple, une céréale. Donc, il faut voir la densité. Donc, le pois va avoir tendance à pouvoir monter, les grains de céréales vont se retrouver en dessous. Donc, le volume aussi versus la commercialisation. La plupart des producteurs qui en font, ils vont avoir des petits volumes, alors que les acheteurs veulent des volumes quand même importants, stables en quantité et en qualité. Donc, il faut être en mesure de répondre aux exigences du marché à ce niveau. Synchroniser la maturité de la culture compagne aussi, parce que sinon, on va avoir un déphasage et ça va affecter la qualité. Les coûts de semences sont quand même très importants comme budget au niveau de la rentabilité. Moi, j'ai fait l'exercice avec le centre d'expertise en établissement des coûts de production et c'est vraiment un aspect important en plus des rendements pour pouvoir rentabiliser plutôt le poids. Donc, pour finir au niveau des défis, je te laisse une minute, Aïtré. je vais aller rapidement. Donc, il y a aussi l'averse. Donc, pour les variétés à croissance indéterminée, donc il faut penser qu'il peut y avoir l'averse là-dessus. Les racines sont superficielles, comme je l'ai mentionné tantôt. C'est pourquoi je disais que j'aime mieux les sols, loam sableux que les sables, parce que ça peut entraîner des problématiques au niveau de la sécheresse. Et les poissons peuvent être aussi des cultures hôtes pour certains nématodes, mais ils peuvent aussi être des hôtes pour des insectes bénéfiques, notamment les acariens ou les coccinelles. Il faut penser à la rotation aux 4 à 6 ans pour la pourriture à sclérote. Donc, c'est tantôt M. Verdier l'a mentionné aussi. Donc, pour les variétés, c'est ça, il existe plusieurs variétés, presque toutes semi-affiles avec des variétés de type déterminé pour la consommation humaine et indéterminé pour le fourrage. Et la plupart des pois cultivés, notamment, on mentionnait qu'en 2011, c'était à 90% du pois jaune. Donc, ici, où trouver les semences? C'est ça, c'est vraiment les semenciers du Québec. Les variétés enregistrées comme tantôt, vous trouvez les mêmes informations là-dessus. On peut aussi regarder au niveau de la Commission canadienne de grains. Et pour le prix du pois, j'ai trouvé seulement le prix pour le pois fourragé en biologique. On parle de 34 $ pour la poche de 25 kilos en 2019 et à 32 $ en 2020. Mais pour la vente, pour les grains biologiques, on parle que ça peut se transiger entre 540 à 625 $ la tonne. Donc, opportunité, c'est que c'est adapté à plusieurs régions. Angoumois pour les protéines végétales, les marchés de spécialité, exemple la variété Marofat qui peut être utilisée pour les collations, surtout le marché asiatique. Le pois sec aussi, c'est une culture assurée à la financière agricole du Québec. Il y a aussi l'opportunité au niveau de la COVID. Les gens sont intéressés à avoir des produits locaux. Donc, c'est quand même important d'aller utiliser, optimiser cette volonté. Donc, après ça, je vous ai mis, suivant, s'il vous plaît, quelques variétés de pois avec leur nom que j'ai retrouvé sur justement pour au niveau de la Commission canadienne de grains. Suivant aussi. Donc, en conclusion, donc tu peux aller. En conclusion, le trèfle, par exemple, incarnat présente plusieurs avantages agronomiques dont je vous ai mentionné, apport en azote, l'impact sur la santé des sols et au niveau des herbicides qu'on n'arrose pas et l'aspect économique aussi. Mais il peut être utilisé en régie biologique ou conventionnelle, mais il est important de choisir le bon site, la bonne rotation, entre autres, afin de bien le valoriser. Mais pour ce qui est du pois, c'est une excellente culture à mettre en rotation pour son apport en azote, la diversification de la rotation ou l'adaptation dans plusieurs régions. Et par contre, il faut choisir le bon cultivar en fonction de l'usage. Pour le grain, il faut s'assurer d'avoir un contrat en main avant d'en produire, parce que sinon, ça va être difficile de pouvoir le mettre en place. Donc, je vous remercie. Merci à Itré.
Tu peux le slide suivant. Donc, vous avez mes coordonnées à la fin de la présentation si vous voulez me contacter. Donc, je suis là pour les questions. On les partagera aux participants, et très. Merci. Wonderful. Thank you, Ayutre, and thank you, Neil. Merci beaucoup, Ayutre et Neil. J'apprécie que vous ayez pris le temps de décortiquer ces thèmes complexes. C'est vraiment utile. Et donc, on a 7 minutes pour les questions. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton Gallery ou le bouton, c'est-à-dire le bouton de choisir l'affichage. Galerie ou par conférencier. Et vous pouvez poser votre question dans le chat ou verbalement. Il n'y a qu'à vous lever la main et comme ça, vous pouvez poser. On va vous demander de poser votre question verbalement. Des questions. The first question, and we had a question from Mark asking about the suitability of pulses for Mark other regions. Pour ce qui est de la savoir si les légumineuses conviennent à d'autres régions du Canada, comme par exemple en Ontario ou Québec. Sud de l'Ontario, je ne le connais pas très bien. J'ai déjà été. J'ai vu le soja, c'est quand même un genre de. C'est comme une oléagineuse légumineuse qui fixe l'azote. Ça marche très bien dans le sud de l'Ontario. Il y en a aussi au Manitoba, mais très peu en Saskatchewan et en Alberta, parce qu'il faut avoir des températures chaudes nocturnes. Les pois sont plus polyvalents. Dans l'absence d'être un agronome et le fait que je ne suis pas dans le sud de l'Ontario, j'imagine que ça pourrait fonctionner parce que ils sont assez ubiquiteux, donc on peut en fait les cultiver un peu n'importe où là dans les prairies, à l'exception donc c'est ça du sud de l'Ontario. Our second question that we had in the chat. En fait, je voulais ajouter par rapport à ça, c'est sûr que pour demander les autres provinces. With regard to the other provinces. Oui, est-ce que je peux compléter un peu? Can I just finish? Allez-y, Aïtré. Oui. Oui, c'est bon. Donc, c'est ça, on dit, c'est ça, les légumineuses dans d'autres régions comme d'autres provinces, l'Ontario, le Québec, le soya au Québec, c'est quand même très répandu, on n'a pas à démontrer ça. Le pois, comme M. Neil l'a mentionné, c'est quand même, il passe partout. On retrouve un peu partout, donc on a fait pas mal au Québec aussi. Et la gourgane, la févrole, comme quelqu'un l'a mentionné tantôt, nous on a fait des projets dans le bas du fleuve ici. Et il y en a plein, il y en a aussi, moi je dirais, la niche écologique de la gourgane févrole au Québec, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. N'oubliez pas d'aller manger la soupe à la gourgane là-bas. Là. Donc c'est quand même. Très bien, mais je pense que pour l'Ontario, il faudrait voir, je pense que l'OMAFRA a mis beaucoup d'informations sur son site pour ce qui est des différentes cultures. Donc, la personne peut aller vérifier si ces cultures sont adaptées. Il y a beaucoup d'informations sur le site de l'OMAFRA. J'inviterai cette personne à aller voir ça. Merci, Yves. Merci beaucoup. Notre prochaine question. Est-ce que les inoculants sont nécessaires pour les légumineuses ou le trèfle incarnat pour développer assez de rhizobium dans les sols? Nous préconisons de l'appliquer chaque fois. Notre sol dans l'Ouest canadien a une certaine quantité de rhizobium, mais il y a différentes sortes de rhizobium selon les cultures. Donc, les pois chiches,
et les févroles, etc. Donc, il faut inoculer chaque fois avant de cultiver. Donc, si vous faites pousser pendant 4 ans d'affilée, ben, vous allez, il va vous en rester. Mais ce n'est pas très cher et ça prend très peu de temps. Donc, nous disons que c'est une assurance pas chère pour assurer d'avoir une bonne culture. Donc, nous le préconisons. Donc, nous croyons que c'est une bonne pratique. Oui, un peu en complément avec ça, je suis bien d'accord avec Nils. C'est certain que quand il y en a des rhizobiums dans le sol, mais c'est pas toujours les bons. C'est pas tout le temps. Il y a plusieurs espèces qu'on va avoir là-dedans. C'est pas celles qu'on va avoir pour sélectionner. Et c'est pour optimiser, bien valoriser aussi l'azote atmosphérique. Parce que si en mettant le rhizobium, c'est certain qu'on va avoir le La légumineuse va pouvoir valoriser l'azote atmosphérique. Alors que si on va au PIF et qu'on n'a pas la quantité suffisante ou l'espèce suffisante, en bout de ligne, on va avoir dépensé pour les semences et ne pas récolter ce qu'on va avoir en bout de ligne. Donc là aussi, comme l'a mentionné, c'est vraiment au niveau des rotations. Si on fait des rotations avec des légumineuses qui nécessitent les mêmes rhizobiomes, donc après un certain temps, donc on va pouvoir les coloniser. Donc ça permet quand même de réduire l'utilisation de ça. Mais pour s'assurer de bien optimiser la valorisation de l'azote atmosphérique, il est important d'inoculer. Merci. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Si quelqu'un veut poser une question dans le clavardage ou poser une question directement ici. Nous avons une question donc, de Jessica. Donc, vous n'avez pas mis de catalogue ou de distributeur dans votre présentation. Est-ce que vous avez des astuces pour sauvegarder, pour mettre de côté vos variétés de légumes? Vous pouvez justement mettre de côté vos semences en conventionnel. Nous suggérons de le faire à tous les 5 ans. Donc, les caractéristiques peuvent changer au fil des ans. Donc, du côté biologique, ben, il n'y a pas beaucoup de semences biologiques certifiées. Donc, je crois que vous pouvez aller chercher ces types de semences-là. Mais je ne connais pas bien les règles, mais je pense qu'on peut aller les chercher à 3 endroits différents. Donc, vous regardez votre contenu en humidité, donc 13 à 14 moins de 15 degrés Celsius. Vous pouvez continuer à aller les utiliser pendant plusieurs années. Donc, si vous voulez acheter des semences biologiques, vous pouvez peut-être juste commencer avec des petites quantités, puis les développer, les mettre de côté. Et puis, voilà, ça peut être utile pour grandir sa quantité de semences. Est-ce que ça répond à votre question, Jessica? Elle dit que oui. Oui, mais je réponds un peu pour les gens de Québec. J'ai mentionné tantôt que, par exemple, le pois, c'est une culture assurée. Souvent, on va vous demander d'utiliser des semences certifiées si vous voulez être assuré. Donc, c'est quand même très important. Et pour les semenciers, moi, je n'ai pas voulu mettre un catalogue et les noms parce que je ne veux pas oublier personne pour penser que j'ai fait du favoritisme. Mais ce qui est le lien que je vous ai montré au niveau des semences et variétés du Canada. Les semences enregistrées, si vous avez là-dessus, là, vous allez trouver tous les semenciers, ceux qui distribuent chaque semence là-dessus. Ça, c'est quand même important. Mais si vous voulez avoir des bons rendements, oui, on peut utiliser, mais il y a peut-être des contraintes ou des pertes de valeur génétique ou autres qu'on peut s'attendre si on ne continue pas à les utiliser plus à long terme. Merci. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas assez de questions pour d'autres questions. Mais je vais partager tous les liens.
ainsi que d'autres informations sur les légumineuses et les différentes cultures qu'on a discutées. Je vais envoyer un courriel sous peu. Nous allons enregistrer les présentations aujourd'hui et nous allons envoyer la vidéo une fois qu'elle est prête. Je vais juste partager rapidement notre dernière... En attendant, Tiara, on a une question de Anouk pour Neil. What about oats and with peas, synchronicity at the four-leaf stage of the oats to be able to harrow the oats before sowing the peas? Did you get that, Neil? Je n'ai pas compris. I have a question in the chat. Est-ce que vous pouvez répéter? C'est une question qui est dans le chat. Donc, le Québec n'a pas un climat pour produire des semences d'haricots. Notre climat est trop humide. Nous importons nos semences et travaillons avec McGill. Avant ça, what about the oats with peas? Oh. Donc, qu'est-ce qu'il y en est des. Donc, est-ce qu'on peut faire cultiver avec les pois, ben, l'avoine avec les pois? La synchronicité en termes de stade de quatre feuilles pour l'avoine. Donc, si j'ai bien compris, c'est en fait de faire de l'intercalaire avec les pois et l'avoine. Donc, il y a beaucoup de façons de faire des cultures intercalaires et ça peut être très intéressant. En ce qui concerne je ne comprends pas trop. Est-ce que vous voulez dire que en fait c'est pour utiliser la herse pour l'avoine avant les pois ou? Oui. Donc. Certaines de ces choses n'ont pas été recherchées, mais il y a de la bonne recherche qui se fait en Saskatchewan avec les herses à rotation, donc Catherine Stanley. Et quelqu'un d'autre dont le nom de famille, je crois que c'est Alba. Il parle de culture intercalaire avec différentes légumineuses et avec les céréales également et comment utiliser la herse. Donc, Dr. Shirtliff, vous allez trouver plus d'informations si vous recherchez cela. Toutes les options fonctionnent. Si vous essayez de contrôler les mauvaises herbes, il faut utiliser la herse et les descendre pour ne pas compromettre la densité des plantes. Et puis les pois, par après, je n'ai pas vu cela, mais je crois que ça devrait être une option viable. Donc, essayez ces choses toujours sur un petit nombre d'acres avant de se lancer. Essayez de faire des comparaisons entre vos champs, essayez avec les pois et sans les pois, et vous allez voir les résultats. Ben, je sais pas si, en tout cas, je sais que ben, peut-être la personne, pour les cultures, le mélange avoine-pois, c'est quelque chose qui est fréquent. Ça, c'est fait très souvent, ou mélange pois-orge. Mais c'est pour le sarclage. Moi, je ne sais pas si la personne est au Québec ou elle pourrait se référer peut-être aux CETAB qui travaillent beaucoup en agriculture biologique pour aider au sarclage. Peut-être que s'il y a des informations là-dessus. Moi, je n'ai pas d'informations de semis en décalage. Mais souvent, on va semer ça pour en même temps, mais en décalage, je n'ai pas d'informations. Mais au niveau du CETAB qui fait beaucoup d'essais, surtout pour accompagner les producteurs biologiques, peut-être qu'il y a quelques questions là-dessus. En tout cas, la personne pourra se parler, voir si on peut l'aider à trouver cette information. Merci, Neil. Merci, Aitré. Merci.
Je suis désolé, mais je crois que nous devons passer à la conclusion et quelques événements que nous allons avoir prochainement. Donc, je vais partager mon écran rapidement. Donc, encore, merci beaucoup à Neil et à Etri. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous apprécions beaucoup d'avoir toutes vos expériences. Et merci beaucoup pour vos liens également, et nous allons les partager avec tout le monde. Merci à Peter et Adrian qui ont fait la traduction simultanée. Merci, on ne pourrait pas faire cela sans votre aide. Merci aussi à Hugo et Caitlin, les coordonnateurs, et pour s'assurer que tout fonctionne. Donc, on aimerait avoir votre interaction et d'apprendre comment nous pouvons servir la communauté des semences au meilleur de notre capacité. Donc, aussi un questionnaire juste pour vous offrir vos commentaires et vos remarques sur le webinaire, et c'est anonyme, c'est seulement pour l'usage interne. Donc, ça nous permet d'organiser nos webinaires. Si vous avez d'autres commentaires ou rétroactions, vous pouvez me les envoyer par courriel. C'est tierra.stokes@organicalberta.org. Je vais vous envoyer un courriel de toute façon. Je vais le passer à Hugo pour parler d'un événement qui arrive à grands pas. C'est ça, on vous invite le 10 septembre à McGill pour visiter les champs d'essai du centre de sélection de légumineuses de McGill. On espère vous y voir. Merci. Dernière chose, donc, il y a plusieurs façons de garder le contact. Donc, vous voyez le site web de Site Security. Nous avons d'autres webinaires aussi. Donc, le prochain, ça va être sur les betteraves. Une sélection axée sur la saveur et la couleur. Merci encore. Nous sommes très contents de cette discussion et nous espérons vous voir à un prochain webinaire. Merci. Merci. Salut. Thank you, everyone. Au revoir. Merci, tout le monde. Allez, hey, d'accord. Je sens ça. Well, it's was it this did we go too long with the talking or what happened? Maybe a tiny bit, but I also was a little bit long on the introduction, and then just that transition period between like presentations. Yeah. I think we should have thought about that transition time a little bit more. Mm-hmm. Were there many more questions, you think? There were no. There were no more coming through the chat. I think it was good. Oh, but yeah. You know, if you start to leave a bit more space and then people start. Yes, yeah. I know. How big was the audience? I think we had, at one point, we had around 53. Is that right? Okay. Yeah, mm-hmm. Something like that. Maybe in the 40s. Yeah. I saw your table at the beginning with Ontario and Quebec and then the prairies. Yeah, usually, you have
On 50 people who registered, 25 will show up, or 30 people will show up. But at least people will be on the email list, and then we can send them the recording. And then the recording will be put online, and so people can just watch it on their own time. That was fun. I enjoyed it. Thanks for joining. Yeah. Do you want me to increase the font a little on mine and send it in? I've got the pictures. This picture's got kind of wonky when... Yeah. When it went through a couple emails back and forth. So I've straightened that out now. And should I increase the font a little bit in the French and English and then send it to Tiara? Oh, don't worry about it. We'll do it. We'll do it. But if you want to send what you have now to Tiara, that would be amazing. Okay. Yeah, because I've eliminated all those duplicates, those photo duplicates that seemed to occur when it was in the midst of the email. I was just, some slides were just way too busy. You know, it duplicated some pictures sometimes three times. It was crazy. I have to go, folks. I have a farm visit, but we can follow by email. Thanks again, everyone. Sounds good. Thank you, Hugo. Thank you. Thank you.